Soudain, un étrange sentiment vous gagne, l'intuition que le parchemin perdu s'anime et se rappelle à votre souvenir. Vous retournez vers l'endroit où vous l'avez rangé. Le parchemin se déroule lentement jusqu'à se parer de ces mots. Tagazokavu, vous voyez, vous n'avez pas résisté à l'appel de la suite de cette histoire. Laquelle était-ce déjà ? Ah oui, il s'agissait de Arthas, l'ascension du roi Lich par Christy Golden. C'est ainsi qu'elle se poursuit. Ce furent des mois agréables à Dalaran. Arthas découvrit, un petit peu à sa surprise, qu'il apprenait en fin de compte des choses qui lui seraient utiles de connaître en tant que roi. Il eut également de nombreuses opportunités d'apprécier la fin de l'été qui s'étirait en longueur et les premiers frimas de l'automne, et il prit plaisir à de longues promenades à cheval, même s'il ressentait un pincement au cœur à chaque fois qu'il montait un cheval qui n'était pas invincible. Et puis il y avait Jaina. Il n'avait pas prévu initialement de l'embrasser, mais quand il s'était trouvé la tenant dans ses bras, ses yeux brillant de joie et de bonne humeur, il l'avait fait. Et elle y avait répondu. L'emploi du temps de Jaina était plus exigeant et rigoureux que le sien, et en toute honnêteté, il ne s'était pas vu autant qu'il l'aurait souhaité. Quand ils se voyaient, c'était généralement lors de leurs fonctions respectives. Et tous deux étaient d'accord, sans même avoir eu à aborder le sujet, qu'il valait mieux ne pas donner de grain à moudre à la rumeur. Cela donnait plus de piment à leur relation. Ils volaient des instants quand ils le pouvaient, un baiser dans une alcôve, un regard furtif à un dîner officiel. Leur première sortie avait été complètement innocente, mais maintenant, ils évitaient soigneusement ce genre de choses. Il mémorisa son emploi du temps afin de lui tomber dessus. Elle trouva des excuses pour traîner dans les étables ou dans la cour qu'Arthas et ses hommes utilisaient comme aire d'entraînement pour garder leurs compétences de combat affûtées. Arthas en aima chaque minute risquée, osée. Aujourd'hui, il attendait dans un couloir peu fréquenté, debout face à une bibliothèque, prétendant lire attentivement les titres des livres. Jaina allait revenir de son entraînement au sort de feu. Par habitude, lui avait-elle dit avec un sourire légèrement embarrassé, elle s'entraînait encore près de la prison et des douves. Elle aurait à traverser cette zone pour rejoindre sa chambre. Il tendit l'oreille. La voilà, les doux sons de ses pas, le bruit régulier de ses pieds chaussés se déplaçant sur le sol. Il se retourna, prenant un livre et feignant de le regarder, la cherchant du coin de l'œil. Jaina était vêtue comme à l'habitude d'une robe traditionnelle d'apprenti. Ses cheveux étaient semblables à la lumière du soleil et son visage affichait son expression typique, les sourcils froncés de concentration dus à des pensées profondes et non au mécontentement. Elle ne l'avait même pas remarqué. Rapidement, il mit le livre de côté et s'élança dans le couloir avant qu'elle ne puisse s'éloigner de trop, attrapant son bras et l'attirant dans l'ombre. Il ne l'effrayait jamais, et comme toujours, elle le rencontra à mi-chemin, en serrant les livres contre sa poitrine d'un bras, tandis que l'autre entourait le cou d'Arthas pendant qu'ils s'embrassaient. « Bonjour, madame, » murmura-t-il, embrassant son cou, souriant contre sa peau. Murmura-t-elle joyeusement, soupirant. « Jaina, » dit une voix, « pourquoi es-tu ?» Ils se séparèrent d'un air coupable, observant l'intrus. Jaina hoqueta doucement et le rouge lui monta aux joues. « Kael. » L'elfe s'était composé un masque impassible, mais la colère brûlait dans ses yeux et sa mâchoire était résolue. « Vous avez fait tomber un livre en partant, » dit-il, levant le grimoire. « Je vous ai suivi pour vous le rendre. » Jaina leva son regard vers Arthas, mordillant sa lèvre inférieure. Il était aussi surpris qu'elle, mais il se força à sourire tranquillement. Il garda son bras autour de Jaina, tandis qu'il se tournait vers Kael'thas. « C'est très aimable de votre part, Kael, » dit-il. « Merci. » Pendant un moment, il pensa que Kael'thas allait l'attaquer. La colère et l'indignation grésillaient presque autour du mage. Il était puissant et Arthas savait qu'il n'aurait aucune chance. Cependant, il soutint le regard du prince elfe, ne reculant pas d'un centimètre. Kael'thas serra les poings et resta où il était. « Avez-vous honte d'elle, Arthas ?» siffla Kael'thas. « Ne mérite-t-elle pas votre temps et toute votre attention? Personne n'est au courant de votre relation ?» Les yeux d'Arthas s'étrécirent. « Je comptais éviter les ravages de la rumeur, » dit-il calmement. « Vous savez comment ces choses fonctionnent, Kael, n'est-ce pas? Quelqu'un dit quelque chose et avant que vous ne vous en rendiez compte, c'est pris au mot. Je protège sa réputation en... »« Vous protégez !» Kael'thas aboya le mot. « Si vous teniez à elle, vous la courtiseriez ouvertement, fièrement. Tout homme le ferait !» Il regarda Jaina,
et toute colère avait disparu de ses yeux, remplacée par une expression fugace de douleur. Puis celle-ci, également, disparut. Jaina baissa le regard. « Je vais vous laisser tous deux à votre rendez-vous, et ne craignez rien, je ne dirai mot. » Avec un sifflement de colère, il jeta dédaigneusement le livre en direction de Jaina. Le grimoire, probablement inestimable, atterrit dans un bruit lourd au pied de Jaina, et elle sursauta à ce bruit. Puis, il disparut dans un tourbillon de robes violettes et dorées. Jaina relâcha son souffle et posa la tête sur la poitrine d'Arthas. Arthas lui tapota le dos. « Tout va bien, il est parti maintenant. »« Je suis désolé, je suppose que j'aurais dû te le dire. » Sa poitrine se contracta. « Me dire quoi, Jaina? Est-ce que toi et lui... »« Non !» répondit-elle brusquement, levant son regard vers lui. « Non, mais je pense qu'il l'aurait voulu, j'ai juste... » C'est un homme bon et un mage puissant et un prince, mais il n'est pas... » Sa voix traîna. Il n'est pas quoi ? Les mots sortirent plus acerbes qu'il ne le voulait. Kael était tant de choses qu'Arthas n'était pas. Plus âgé, plus sophistiqué, expérimenté, puissant et d'une incroyable beauté physique à la limite de la perfection. Il sentit la jalousie grandir en lui en une boule froide, dure. Si Kael avait reparu à cet instant, Arthas n'aurait probablement pas pu retenir son humeur belliqueuse. Jaina sourit doucement, la ride sur son front se creusant. « Il n'est pas toi. » La boule glacée en lui fondit comme l'hiver, sonnant retraite devant la douceur du printemps, et il l'attira à lui et l'embrassa à nouveau. Qui se souciait de toute façon de ce que pensait un prince elfe mal embouché ? L'année se déroula en grande partie sans incident, tandis que l'été laissa place à la fraîcheur de l'automne, puis à l'hiver, des protestations supplémentaires s'élevèrent à propos du coût de l'entretien des camps orques, mais Terenas et Arthas s'y attendaient tous les deux. Arthas continuait son entraînement avec Uther. Le vieil homme était inflexible sur le fait que bien que l'entraînement aux armes fût important, la prière et la méditation l'étaient également. « Oui, nous devons être capables d'abattre nos ennemis, » disait-il. Mais nous devons également être capables de soigner nos amis, et nous soigner nous-mêmes. » Arthas pensa à Invincible. Ses pensées vagabondaient toujours vers le cheval en hiver, et le commentaire d'Uther ne fit que lui rappeler à nouveau ce qu'il considérait comme l'unique échec de sa vie entière. Si seulement il avait commencé à s'entraîner plus tôt, le grand étalon blanc serait toujours en vie. Il n'avait jamais révélé à quiconque ce qui s'était réellement passé ce jour funeste. Ils avaient tous cru que c'était un accident. Et c'en était un, se disait Arthas. Il n'avait pas délibérément l'intention de blesser Invincible. Il aimait le cheval. Il aurait préféré se blesser lui-même. Et s'il avait commencé plus tôt l'entraînement de paladin, comme Varian l'avait fait avec le combat à l'épée, il aurait été capable de sauver Invincible. Il jura que cela n'arriverait plus, et ferait tout ce qui serait nécessaire afin qu'il ne soit plus jamais pris au dépourvu et impuissant, qu'il ne soit plus jamais incapable de faire ce qu'il faut. L'hiver passa, ainsi que le font tous les hivers, et le printemps arriva de nouveau aux clairières de Tirisfal. Jaina Porvaillant arriva en même temps que le printemps. Aux yeux d'Arthas, elle était aussi belle, fraîche et la bienvenue que les bourgeons qui fleurissaient sur les arbres. Elle était venue pour l'assister publiquement dans la célébration du Jardin des Nobles, la fête majeure du printemps à Lordaeron et Hurlevent. Contrairement à l'habitude, Arthas ne trouva pas que rester éveillé tard la nuit précédant la fête, buvant du vin et remplissant des œufs de bonbons et autres sucreries, fut une tâche ennuyeuse, étant donné que Jaina était là avec lui, fronçant les sourcils de cette adorable façon qui n'appartenait qu'à elle, tandis qu'elle remplissait les œufs avec attention et les mettait de côté. Il n'y avait pas eu d'annonce publique, mais Arthas et Jaina savaient tous deux que leurs parents s'étaient parlé les uns aux autres et que la cour avait été tacitement autorisée. Ainsi, Arthas, déjà aimé de son peuple, fut-il de plus en plus souvent envoyé représenter Lordaeron à des cérémonies publiques, remplaçant Uther ou Terenas. Le temps passant, Uther s'était de plus en plus plongé dans l'étude des aspects spirituels de la lumière, et Terenas semblait plus qu'heureux de ne pas avoir à voyager. C'est exaltant, quand tu es jeune, de voyager pendant des jours à dos de cheval et de dormir à la belle étoile, dit-il à Arthas. Mais à mon âge, il vaut mieux laisser l'équitation au loisir, et les étoiles que l'on peut voir à travers une fenêtre sont déjà assez proches. Arthas avait souri, se plongeant avec délice dans ses nouvelles responsabilités. L'amiral Porvaillant et l'archimage Antonidas en étaient apparemment venus à la même conclusion. De plus en plus souvent, quand des messagers de Dalaran étaient envoyés à la capitale,
Dame Jaina Port-Vaillant les accompagnait. « Viens à la fête du solstice, » dit-il soudainement. Elle leva les yeux vers lui, tenant un œuf délicatement dans une main, repoussant de l'autre une mèche de cheveux dorés de son visage. « Je ne peux pas, l'été est une période très intense pour les étudiants à Dalaran. Antonidas m'a déjà dit de m'attendre à y rester toute la saison. » Il y avait du regret dans sa voix. « Alors je viendrai te rendre visite pour la fête du solstice et tu pourras venir pour la 101, » dit Arthas. Elle secoua la tête et rit de lui. « Tu es tenace, Arthas Minetil. Je vais essayer. »« Non, tu vas venir. » Il tendit le bras le long de la table, couverte de petites bougies et d'œufs précautionneusement vidés, peints de couleurs vives, et plaça sa main sur celle de Jaina. Elle sourit, toujours un peu timide après tout ce temps, ses joues devenant roses. Elle viendrait. Il y avait de nombreuses petites fêtes précédant la 101. Les unes étaient funèbres, les autres festives, et celle-ci était un peu des deux. La croyance populaire voulait qu'il s'agisse d'une période où la barrière entre les vivants et les morts était mince, et que les vivants pouvaient ressentir la présence de ceux qui étaient décédés. La tradition voulait qu'à la fin de la saison des moissons, avant que les vents d'hiver ne commencent à souffler, une effigie de paille soit érigée juste devant le palais. Au coucher du soleil, la nuit de la cérémonie, on y mettait le feu. Quiconque le souhaitait pouvait s'approcher de l'effigie ardente, jeter une branche dans les flammes crépitantes et se faisant brûler métaphoriquement tout ce qu'il ne souhaitait pas emporter dans les temps de réflexion calme et profond fournis par l'inactivité forcée d'hiver. C'était un rituel paysan, vestige de temps immémoriaux. Arthas pensait que peu de ses sujets aujourd'hui croyaient vraiment que le fait de jeter une branche dans le feu résoudrait leurs problèmes. Moins d'entre eux encore croyaient que le contact avec les morts était possible. Lui, en tout cas, n'y croyait pas. Mais c'était une fête populaire, et elle allait ramener Jaina à Lordaeron, et pour ces raisons, il avait en tête une petite surprise pour elle. Ce fut peu après le coucher du soleil. La foule avait commencé à se rassembler à la fin de l'après-midi. Certains avaient même apporté des pique-niques, et profitèrent ainsi des derniers jours de la fin de l'automne dans les collines de Tirisfal. Il y avait des gardes stationnés ici et là, l'œil aux aguets sur les incidents qui survenaient souvent quand un grand nombre de gens se rassemblaient au même endroit, mais Arthas ne s'attendait pas à la moindre difficulté. Quand il sortit du palais, vêtu d'une tunique, de braies et d'un manteau aux teintes riches et automnales, des vivas éclatèrent. Il s'arrêta et salua l'assistance, puis se tourna et tendit une main vers Jaina. Elle eut l'air un peu surprise, mais sourit, et les vivas portaient désormais leurs deux noms vers le ciel s'assombrissant. Arthas et Jaina descendirent le chemin vers le géant d'osier et se tinrent devant lui. Arthas leva une main pour obtenir le silence. « Mes compatriotes, je me joins à vous pour célébrer la plus vénérée des nuits, la nuit durant laquelle nous nous rappelons ceux qui ne sont plus parmi nous et mettons de côté les choses qui nous brident. Nous brûlons l'effigie de l'homme d'osier comme le symbole de l'année passée, tout comme les fermiers brûlent les restes des champs moissonnés. Les cendres nourrissent le sol et ce rite nourrit nos âmes. » Il est bon de voir tant de monde ici ce soir. Je suis heureux de pouvoir offrir l'insigne honneur d'allumer l'homme d'osier à Dame Jaina Port-Vaillant. » Les yeux de Jaina s'agrandirent. Arthas se tourna vers elle, souriant avec malice. Elle est la fille du héros de guerre d'Aelin Port-Vaillant et promet de devenir une mage puissante. Comme les magies sont les maîtres du feu, je pense que ce n'est que justice qu'elle allume notre homme d'osier ce soir. Êtes-vous d'accord ? L'assemblée rugit de joie, comme Arthas s'y attendait. Arthas s'inclina devant Jaina, puis se pencha et chuchota. « Donne-leur du spectacle, ils vont adorer !» Jaina opina imperceptiblement, puis se tourna vers la foule et salua. Leurs vivas montèrent en puissance. Elle coinça une mèche de cheveux derrière son oreille, révélant brièvement sa nervosité, puis présenta un visage calme. Elle ferma les yeux et leva les mains, murmurant une incantation. Les vêtements de Jaina étaient de la couleur du feu, rouge, jaune et orange. Tandis que de petites boules de flammes commençaient à se matérialiser dans ses mains, brillant faiblement au début et puis d'un éclat croissant, pendant un instant, elle sembla à Arthas être le feu lui-même. Elle dompta le feu de ses mains avec aisance, confort et maîtrise, et il sut que l'époque où elle ne contrôlait pas ses sorts était révolue. Elle n'allait pas devenir une mage puissante, elle en était de toute évidence déjà une, dans les faits, sinon en titre. Puis elle étendit les deux mains. Les boules de feu bondirent comme des balles tirées d'un fusil, dévalant vers l'énorme effigie de paille.
Elle s'embrasa d'un coup et les spectateurs retinrent leur souffle, puis se répandirent en cris et en applaudissements. Arthas sourit. L'homme d'osier n'avait jamais pris feu aussi rapidement avec un brandon ordinaire touchant sa base. Jaina ouvrit les yeux à ce bruit et salua, souriant d'un air ravi. Arthas se pencha vers elle et chuchota. « Spectaculaire, Jaina. Tu m'as demandé de leur donner du spectacle, » retorqua-t-elle, lui souriant. « Bien sûr, mais c'était presque un trop bon spectacle. J'ai bien peur qu'ils demandent désormais que tu allumes l'homme d'osier chaque année. » Elle le regarda. « Serait-ce un problème ?» La lumière du feu dansait sur elle, illuminant ses traits vivaces, se reflétant sur le bandeau d'or qui ornait sa tête. Arthas retint son souffle tandis qu'il la regardait. Elle avait toujours été attirante à ses yeux, et il l'avait appréciée dès l'instant où ils s'étaient rencontrés. Elle avait été une amie, une confidente, un flirt très agréable, mais maintenant, il ne pouvait s'empêcher de la voir presque littéralement sous un nouveau jour. Cela lui prit un moment avant de retrouver sa voix. « Non, » dit-il doucement, « non, ce ne serait pas du tout un problème. » Ils rejoignirent la foule, dansant autour du feu cette nuit-là, causant la consternation des gardes en se mélangeant à la populace, serrant des mains et échangeant des vœux. Et puis, ils faussèrent compagnie aux fidèles gardes, se perdant volontairement dans la foule et se dérobant à leurs yeux. Arthas la guida à travers les corridors arrière vers les appartements privés du palais. Ils se firent presque surprendre par quelques serviteurs prenant un raccourci vers les cuisines et durent s'aplatir contre le mur et rester parfaitement immobiles pendant quelques longues minutes. Puis, ils furent dans les appartements d'Arthas. Il ferma la porte en s'y adossant et emporta Jaina dans ses bras, l'embrassant passionnément. Mais ce fut elle, la timide, la studieuse Jaina qui mit fin au baiser et s'avança vers le lit, le menant par la main, la lumière orange de l'homme d'osier toujours enflammée à l'extérieur dansant sur leur peau. Il la suivit, presque abasourdi, dans un rêve, tandis qu'ils se tenaient à côté du lit, leurs mains si serrées qu'Arthas craignait que les doigts de Jaina ne se brisent dans sa poigne. « Jaina, » chuchota-t-il. « Arthas, » dit-elle gémissant son nom, et elle l'embrassa à nouveau, ses mains se levant pour serrer le visage d'Arthas. Il était ivre de désir pour elle, et se sentit tout à coup dépourvu quand elle recula. Son souffle était doux et chaud sur son visage quand elle chuchota. Sommes-nous prêts pour ça ? Il commença par répondre avec désinvolture, mais il savait ce qu'elle demandait réellement. Il ne pouvait pas s'imaginer plus prêt à la guider le long du reste du chemin vers son cœur. Il avait éconduit l'adorable Taressa, et elle n'avait pas été la première à qui il avait dit non. Jaina, savait-il, était encore moins expérimentée que lui dans de tels domaines. « Je le suis si tu l'es, » chuchota-t-il d'une voix rauque. Et alors qu'il se penchait pour l'embrasser à nouveau, il vit la ride d'inquiétude familière barrer son front. « Je vais chasser ton inquiétude par mes baisers, » jura-t-il, l'amenant sur le lit avec lui. « Je vais faire en sorte que tout ce qui pourrait t'inquiéter disparaisse à jamais. » Plus tard, quand l'homme d'osier se fut finalement éteint et que la seule lumière sur la silhouette endormie de Jaina fut le froid clair de lune d'un blanc bleuté, Arthas était toujours éveillé, faisant courir ses doigts le long des courbes du corps de Jaina, se demandant tour à tour où cela les mènerait tous, et se sentant simplement heureux d'exister en cet instant. Il n'avait pas jeté de branche dans le feu de l'homme d'osier, parce qu'il n'avait rien dont il souhaitât se débarrasser. « Pas plus que maintenant, » pensa-t-il, se penchant pour l'embrasser. Jaina se réveilla dans un doux soupir, l'enlaçant. « Personne ne semble pouvoir te refuser quoi que ce soit, » murmura-t-elle, répétant les mots qu'elle lui avait dit le jour où elle l'avait embrassé pour la première fois. « Et moi la dernière. » Il la serra alors contre lui, un frisson glacé le traversant soudain, bien qu'il ne sache pourquoi. « Ne me rejette pas, Jaina. Ne me rejette jamais, s'il te plaît. » Elle leva le regard sur lui, les yeux scintillant au froid clair de lune. « Je ne le ferai jamais, Arthas. Jamais. » Soudain, alors que vous souhaitiez connaître la suite de cette histoire, le parchemin vous libère de son emprise et les mots s'effacent progressivement, le document redevenant inerte. Vous vous sentez libéré mais insatisfait. Peut-être qu'un autre jour, le parchemin s'animera à nouveau. Vous décidez de le ranger en attendant le prochain appel de sa part.